Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Ah! 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 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Donc voilà, en termes de mentalité, on était un peu plus au-dessus de « Oh, ma montre connectée m'a dit que j'avais pas bien récupéré, donc je vais faire de la récupération active et du yoga ». Et le microdosing, alors uniquement toujours dans le monde du body fitness, on retrouve le fameux Alfnati. Tu vois, je pense qu'il a émané de cette utilisation-là. Petit dosage, petit résultat, possibilité futile d'arriver au résultat partagé sur les réseaux par exemple. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Pourquoi c'est moi, bitch? Freddie Mercury? Mais moi j'ai une moustache! T'as toujours une moustache, toi? Mais on a là-dedans? C'est Todd, le dravat, il est pas trop petit en costume! Eh, hey, Timon, regarde ma queue! Ah, t'es très belle queue, effectivement, ouais! C'est qui a choisi les costumes? Bah, toi! Alors, d'accord, mais qui es-tu, Fred? Et présente-toi succinctement. Je suis Fred Delavier, je suis un YouTuber, et mon métier c'est YouTuber, voilà! Et je fais du divertissement pour les jeunes, et après, je leur vends des shakers, hein! Et les shakers, et je leur donne des codes promo pour qu'ils achètent. Mais non, écoute, tu sais très bien qui je suis, c'est une blague, tu es un troll. Par contre, le comble de l'insolence, c'est que son seul moyen pour entraîner les cuisses était de monter des escaliers en portant son frère. Et le mec se tapait des quadriceps découpés et des fesses plus striées que la majorité des bodybuilders actuels, même chargés. Donc ça fait un peu réfléchir quant au fait que les salles soient fermées et qu'on dispose de peu de moyens pour s'entraîner, bah parce qu'à cette époque-là, c'était quand même souvent le cas. En termes de stratégie marketing, c'est bougrement ingénieux. Scrupuleux, mais bougrement intelligent, entre guillemets. C'est pas bien gros en termes de masse, ça fait du 1m80 pour 85 kg. C'est bien rond, c'est bien proportionné, c'est bien sec. Donc, comme je disais, un mec lambda va se dire « Bah attends, c'est possible d'y arriver ?» Mais moi, j'ai eu ce questionnement dans le passé. Pas besoin de ressembler à Arnold Schwarzenegger ou Ronnie Coleman pour se cataloguer dopé. Amilia, elle parlait dans cette vidéo, elle disait oui, que le fait de montrer ses formes sur les réseaux sociaux, ça servait un peu à rien, que ça attirait que le regard de l'homme, mais ça n'avait aucun intérêt. Et elle invitait les femmes qui regardaient cette vidéo et qui avaient le but de faire la même chose qu'elle, de ne pas le faire justement et de s'orienter vers un contenu fitness ou un contenu make-up ou un contenu en tout cas qui n'était pas sexualisé. Et comme vous, mon étonnement, quand je l'ai vu dans le live d'Adrien Laurent, twerker sur sa tête, mais j'ai envie de dire... Soit le résultat est flagrant en termes de rondeur, de sèche et tout cela, mais la masse n'est pas énorme. Voilà, on a une qualité peau de bite, entre guillemets, très veineuse. Quand je dis veineuse, c'est genre, t'as un nombre de veines vraiment énorme. Bien sûr que de manière naturelle, tu peux avoir des veines, mais c'est pas le même calibre de veines. Lorsque je suis off et que je suis on, bien sûr que j'ai des veines, mais lorsque je suis on, mes veines n'ont pas le même calibre. Hein. Le résultat est flagrant, mais la masse, non. Donc, l'excuse qui revient, c'est « Attends, je peux pas être dopé juste pour ce poids de corps. » C'était la petite marmotte qui mettait le chocolat dans le papier d'alu. T'es une mère, t'as grave perdu des épaules, t'as plus de deltoïdes, plus rien. Et comme on dit, si t'as pas d'épaules, t'as pas de chocolat. Oh, j'ai pas perdu. Non. Oh putain, faut que je fasse les épaules. Donc, la question que vous vous posez tous, c'est déjà comment on a pu passer de « je ne fais plus » à « je fais ». Donc, pour répondre à ces questions, Léa est à côté de moi. Donc, Léa... En fait, tu m'as lancé un traquenard, tu voulais me piéger. Pas du tout, mais Léa, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, tout simplement, j'avais mis mon Instagram en privé pendant un moment et je m'étais mise au vert pendant quelques temps. Et pour relancer la machine, moi qui suis très proche d'Adé, il m'a dit tout simplement, bah écoute, de toute façon, c'est la fin du confinement, donc on va faire une clôture du live et je sais que toi, tu vas envoyer du lourd, tu vas tout écraser. Je lui dis, vas-y, pourquoi pas. Bon, à partir de demain, je commence le fitness. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Soit le résultat est vraiment à chier et t'inquiète que j'ai vu des mecs se doper et même dans ma salle qui avaient des résultats très 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 médiocres. C'est-à-dire que le mec faisait, je sais pas, je te dis un truc au pif, 1m75 pour 72 kilos et que le mec, tu le regardais, t'avais pas l'impression qu'il s'en mettait plein le trognon quoi. Dans le monde fantastique et merveilleux de la musculation et de tout ce qui y est assimilé, voire même du sport de façon générale, on a vu fleurir ce genre de machin là. Mais alors, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment efficace? Et surtout, est-ce que, comme dans la majorité de mes vidéos avec placement de produits, je vais me faire baiser parce que je vais être honnête et je vais te dire que c'est pas indispensable? El famoso Natila Vital qu'on peut voir sur les bio Instagram. La testostérone, c'est-à-dire que lorsqu'on pense dopage, on pense forcément à cette hormone-là. Le mec ne va pas l'utiliser. Par contre, il va jouer sur la synergie d'autres hormones, d'autres substances synthétiques. Et il va se dire, bah attends, j'utilise pas de stéro, alors je suis naturel. Aujourd'hui, exercice sur les fessiers, les abdos, les épaules. Je vous vois venir, mesdames. Je suis une femme, je vais quand même pas me muscler les bras et le dos. Stop, mesdames, petit cours. Alors, vous produisez des œstrogènes, nous, les hommes, de la testostérone. Donc, même avec 20 ans de musculation et 24 heures de travail par jour, vous n'aurez jamais 50 cm de tour de bras. Tu sais, le premier jour au fitness, bah tu connais personne. Et tout d'un coup, t'as un mec que tu connais pas qui débarque de nulle part qui va venir te parler. Oh, laisse tomber, c'est trop lourd. Ça va, mon ami? Ouais, je comprends ta douleur. Tu sais, pour moi, c'était pas facile aussi au début, hein. Tu sais, voir tous ces mecs avec la sueur qui coule entre leurs pecs. Mais ça va aller, fils. Ok, mais en fait, t'es qui? Ah, moi, c'est Ruben. Ça fait 10 ans que je suis en fitness. Ça fait 10 ans que tu t'entraînes? Non, moi, je viens juste pour les barres chocolatées, en fait. Tu sais, t'as plein de goûts. T'as goût banane, goût chocolat, goût pastèque. En fait, tu veux goûter? Et puis même, le mec qui peut aller plus loin dans son raisonnement et essayer de te retourner davantage le cerveau, c'est que le mec, il va se prendre une analyse sanguine où il y a la testostérone pour confirmer un seuil naturel. Le mec va faire ses analyses, il va le prendre en photo et le mettre sur ses réseaux en disant « Bah tiens, regarde, mon seuil est tout à fait normal, donc je suis naturel, mec, arrête de me faire chier, tu vois. »